Ouais, bonjour tout le monde. Ce message est pour Mayotte. Ouais. Pour Mayana. Donc voilà, Sprod, ce message est pour Mayotte et tout pour vous dire que j'ai entendu plein de choses. Des choses que je sais pas chanter. Il y en a qui disent que je dis de la merde et des conneries. Donc à cause de ça, je crois que je veux arrêter ma carrière. Mais je crois que si j'arrête ma carrière, bon, ils vont gagner qu'est-ce qu'ils veulent. Donc je continue toujours dans la musique. Donc ce message est pour Mayotte. C'est pour vous dire que j'attends qu'il y a plusieurs rappeurs à Mayotte, des chanteurs, des groupes, nanana, dans mon gauche. Donc moi je suis là pour vous dire que j'arrive là-bas à Mayotte. Et le rappeur Morin, j'ai toi Penzo, man. Et toi Kalimaza Penzo Zay. Tu vois quoi, man. Si yo, rappeur Morin, j'ai toi Penzo, man. Si Karina Penzo, on doit s'y remettre Penzo Zay, y'a soit mis qui a quand même ton man. Tu vois quoi. Donc moi, je fais pas du featuring, tu vois. Moi je suis en solo, je chante pas avec personne. Moi, les featuring, je les fais pas. Alors c'est un mec solo quoi, donc moi les featuring je suis pas featuring. C'est vrai je fais quelques featuring vite fait si vous avez vu. Mais moi les featuring c'est pas mon truc, moi c'est un solo donc apparemment il y a des gens qui sont là pour faire des featuring. Apparemment je cherche les meilleurs rapports pour faire du featuring à malade. Donc moi mon truc, moi je suis en train, moi je fais des freestyle, des comédies musicales. Donc c'est ça que je fais. Donc je suis pas un chanteur, donc c'est pour préciser à malade que moi je suis pas chanteur ni rappeur. Moi mon truc de base c'est la comédie musicale. Donc je remercie K2S qui m'a appris à faire les sons. Je remercie Patino Prod aussi qui m'a appris. Je remercie aussi Ghost Prod. C'est les gens qui m'ont soutenu pour faire la production. J'ai appris de eux que j'ai commencé à faire les vidéos. Ça, eux, je suis parti de là. Je remercie les gars. Je remercie aussi le groupe Mafia Team que je traîne avec eux, qu'on a fait des sons ensemble, tout ça, qu'on traîne ensemble, des concerts et tout ça. Je remercie aussi le groupe Anam Truc. Je remercie aussi le groupe Secourbé, le BDG. Et tous les groupes de Pamondi, moi là je viens juste vous dire remercier Pamondi parce que là que j'ai vécu, moi qu'on a grandi, donc je remercie les gens qui m'ont soutenu à Pamondi, je serai toujours là pour vous. Donc là je serai bientôt là-bas, donc moi je fais du lourd parce que moi le rap de France et de chemin, on est si toi plein de l'aime. Même si le papa m'a dit je reviens méchant. Il sait plus à le mixtape qui sera là, ça s'appelle voilà de retour au bled. Donc je vais essayer de faire des collaborations avec des rappeurs. Là je vais essayer de voir avec un petit pote à moi qui s'appelle Elams pour faire un petit featuring avec lui, celui qui m'a demandé. On va voir si le featuring on va le faire. Après je vais faire un petit featuring avec un Sam et Deps. Après je vais faire un petit featuring avec mon meilleur pote sur dans mon cœur, tout le monde le connaît par le nom de Pro Game. Tu vois quoi. Après je vais essayer de faire un petit featuring avec Disken GT. Et après je vais essayer de voir Patsao, Stako, tout ça. Mais je vais essayer de voir des grands rappeurs avant de faire mes featuring parce que là voilà que je cherche du featuring parce que moi je fais des gens qui sont dans le ring du rap français et du rap marocain. Donc moi j'aime bien le ring, le featuring et ce ring du ring pour ceux qui ne croient pas le tester. Donc voilà, je suis venu là pour vous dire que de retour voilà je crois dans ma vie. Donc je fais des featuring avec les meilleurs rappeurs de ma vie parce que moi je chante pas mais quand je chante et quand je suis méchant voilà je te dis là vous voyez que je fais des délires sur Facebook, sur YouTube, ça c'est des délires. Mais moi, je m'en souviens, vous savez pas, j'ai enlevé 2000 musiques et tout, j'ai jamais enlevé, j'ai juste laissé de côté, c'est mes potes qui savent ce que j'ai enlevé. Moi le rap français, moi je suis méchant, mais quand tu vois, je fais des vidéos sur YouTube, tout ça, c'est pour rigoler, pas de conneries. Mais moi, il y a 15 personnes qui me connaissent, c'est Saïd, Mouhamba, Soprano, oui, c'est très bien comment je suis, tu me connais très bien. Des délires on a fait, tu vois, il y a des gens qui connaissent que je suis bien, je crois que c'est marrant, c'est parce que j'ai des délires pour m'amuser, pour pas parler de mon flow quoi, tu vois. Parce que si j'arrête sans rien faire, ça fait que mon flow va partir, donc voilà, quoi. Donc Mayotte, je reviens. On met ça à featuring, on a d'awashmor, ma bouddha de chapashmor, bonjour, ouah, tu casas, bonjour, j'imba, non, bonjour, j'imba, soif, les noix de ça, on ouage, belles amours, on a essayé, voilà, que c'est devenu très méchant dans le rap français. De retour à Mayotte, j'arrive, quand vous chantez, mais. Je me demande ma sangha, quand vous chantez le rap français, il va venir là-bas, vous allez dire maintenant. Là, j'ai appris que comme moi, Maoré, des trucs comme. Donc maintenant, j'ai appris. Donc Mayotte, j'arrive. Qu'est-ce qu'on dit dans le cœur. Voilà, Sprod. Donc voilà. Mayotte, je vous dédicace à vous. Voilà, j'ai entendu qu'apparemment, il y a des méchants rappeurs en Mayotte. Parce que, ami, j'ai moins de la méchante en Awani. Nous faisons ça à délire. Mais voilà, vous inquiétez pas parce que le rap français, on a bercé. Tu pourras pas tester le duc de rap français. Voilà, tu ne pourras pas parce que tu me testes moi. Je n'ai que peur, ça, je parle pas sur le rap. J'ai voilà, j'ai pas là, j'ai croisé. Quoi, il dit, moi, chef, comme on dit. Mais là, il y a un rizzi. Voilà, c'est bon.